Je ne peux pas tout donner en même temps. Je donne d'abord 8. Je donne matière que 8 femmes. Qui sont ces femmes qui nous ont marquées et dont les noms sont aujourd'hui en voie de disparition ou même disparus parce que personne n'a pas vu des femmes. Depuis que le patriarcat s'est imposé en nous, on ne parle plus de l'argent féminin. Et moi, ça m'énerve. D'autant plus que même Diabobin, Biabinana, femme d'Engosé, Biabobin, Amou, Bazona, Abba, Minga, Tawachi, femme d'Azo, il y en a femme de Loua, Minga, femme d'Ayana, Minga, et ça, c'est ça, Koumiyawa. Femme de Dadje, en fait, il n'y a pas de Abondi. Femme de Dadje, Minga, Soutoum. Non. Non, bah, voilà. A dit qu'elle soit valette. A dit qu'elle soit valette. Bota banga zo bien zama siki azama asiki minenga zama siki femme. Quand tu parles de Dieu, Dieu n'est pas femme, Dieu n'est pas homme. Mais l'image que certains ont imposée à Dieu, c'est l'image d'un homme. C'est un tout puissant guerrier qui est placé là. Et si tu ne lèves pas, il te tue, il te jette en enfer. Voilà. Non, non. Zama siki. Dieu n'est pas femme, Dieu n'est pas homme. Il faut considérer ça comme ça à partir d'aujourd'hui. Dieu n'est pas femme, Dieu n'est pas homme. Et nos ancêtres, ayant compris cela, bah, ils se sont mis petits devant la création. Et quand ils se sont mis petits devant la création, ils ont compris en fait, la femme avait beaucoup de choses à prendre à l'homme. C'est pourquoi les premières civilisations étaient des civilisations féminines. Tirandon de tout. Aduna, les ancêtres qui quittent cette terre recommandent à la jeunesse la prudence vis-à-vis de l'intelligence. C'est rendu en doute. Il faut retenir ça.